Tu laisseras pas ça au montage. Non. Petit ensemble à 40. Je vais t'en aider aussi. Putain, je suis deg de ouf. L'ami Fab, petite parenthèse rapide, parce que si vous ne suivez pas sur les réseaux, vous ne le savez pas, mais on est en finale des People Choice Awards. Donc si vous voulez qu'on remporte cette compétition, vous pouvez voter tous les jours, jusqu'à 25 fois par jour, par adresse mail. Les votes se clôturent le 19 octobre, donc c'est maintenant qu'il faut tout donner. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire, et merci à ceux qui l'ont fait depuis le début de cette compétition. Je vous fais de gros bisous, et je vous laisse avec la vidéo. Bien, bonjour tout le monde, on se retrouve avec Enzo Wortner. Again and again. Je voulais vous faire un haul parce que j'ai acheté des petites tenues pour l'automne et je me suis dit, autant en rendre ce haul un peu plus piquant. Et Kenzo note les tenues que je veux lui présenter. Je suis au peignoir d'ailleurs parce que j'avais un peu froué, donc j'ai pris, ce que j'avais sous la main. Mais faut calme, elle filme en peignoir. De toute façon, je vais me changer dans deux secondes. Bon, alors, c'est des notes non pas pour approuver mes tenues parce que on sait bien que je mets ce que je veux. Oui. C'est juste une question. Question d'appréciation, s'il aime ce que j'aime, ou si nous sommes dans deux univers complètement distincts et éloignés. Bien sûr, c'est comme ça que je l'avais pris, pourquoi? Ah non, c'est pas pour toi que je le dis, hein. Oui, pour les gens qui vont dire, ah, et pourquoi il faut que tu notes tes tenues, une femme met ce qu'elle veut. D'accord, je comprends mieux. Allez, j'y vais. Première tenue. 10 sur 10, on adore le concept. Oui, j'écris comme un enfant de 9 ans. Dis-moi quand est-ce que je peux regarder, hein. Ok, première tenue. Petite robe t-shirt de chez Mistress Rocks. J'adore ce genre de robe t-shirt qui s'arrête là. J'en ai plein des noirs comme ça. Mm-hmm. Moi aussi. Toi tu en as plein? Non, moi aussi j'aime bien. Mais attends, réfléchis. Et généralement je les porte en retroussant un peu les manches et avec une ceinture. Tu sais, je mets tout le temps une ceinture. Ouais, ouais. Je mets des robes. Quel genre de chaussures tu pourrais mettre avec ça? Avec ça je mets soit des sneakers blanches, ouais. Soit si c'est en soirée je mets des petites bottines, des talons, okay. N'importe quoi. Je note. Moi je l'aime bien. Et la matière est super agréable. Elle est... C'est pas une matière t-shirt, c'est un petit peu élastique. C'est pas... C'est doux. Merde. T'es prête? Oui. Je te donne la note de 6,5 sur 10. Non pas parce que je n'aime pas ce genre de look, mais parce que je trouve que c'est pas un look qui est très recherché. C'est juste un t-shirt qui est long. Faudrait peut-être l'agrémenter avec quelques petits... Oui, je t'ai dit que je vais l'agrémenter. Voilà. Mais là, si je te présente pas la tenue terminée, je présente les pièces. Mais ça va, j'accepte. Alors Non, ça va, ne change pas d'avis. Allez, 7 sur 10. Ok, dites-nous aussi ce que vous pensez des tenues. Hein. Vous pouvez jouer à ce jeu indéfini avec nous. Indéfini? Illimité. Regarde le chien. Mais oui, il est comme ça depuis tantôt. Coucou. Tenue numéro 2. J'ai pris la liberté de dire que c'était sur 10. Après, je ne sais pas, c'est ta chaîne. Hein. C'est toi qui vois. Hein. Ah non, sur 10, c'est bien. Putain, je suis deg de ouf. Je déballe les articles parce que je les avais pas déballés avant maintenant. Pour jouer le jeu à fond. Ça avait l'air beau en tout cas. C'était un ensemble et je sais pas ce que j'ai foutu. Au lieu de prendre le pantalon et la veste, j'ai pris deux pantalons. Là, j'ai un pantalon et là, j'ai deuxième. Donc, j'ai pas de tenue, bordel. Et si tu passes les jambes à la place des bras? Oui, mais tout à fait. Et comme ça c'est bien, enfin non, et on voit qu'il manquait quelque chose. Oui, la tenue est sympa, c'est pas la tenue que je voulais faire quoi. C'était quoi le dessus? Vas-y dis-moi, comme ça j'imagine. C'était une veste tailleur de la même couleur, c'était un ensemble monochrome. Bloc color bloc. Tu t'en fous de ma note? Mais non, j'arrive, mais tu réfléchis. Ouais, je réfléchis. Ouais. Je suis dégoûtée, mais moi je suis triste de même pas avoir la veste. Ouais, faut que je regarde si elle est encore dispo. Et en plus, imagine si elle est plus dispo, la haine encore plus. J'achète un pantalon qui va avec rien. Mais si, il ira avec une autre veste, mais bon, faut t'imaginer. Mais note le pantalon. Je note que le pantalon. Bah ouais, mais ça rend rien comme ça. Mais écoute, je vais noter l'ensemble, on va faire comme si c'était ça l'ensemble, ok? Ah ouais, ça va bien ensemble quand même, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je vais pas prendre en compte ton erreur parce que je comptais déjà t'enlever 2 points. T'avais fait une erreur. Oui. Donc je vais pas faire. Voilà. Pour cet ensemble inexistant. Non, qui... blanc et pêche, ouais. Ah, pêche, j'aurais dit saumon. Ouais. Pff, non, c'est plus orange, ouais. Ouais. Pour cet ensemble orange, je mettrai la note de 8 sur 10. Ah, c'est gentil. Je pense que t'allais pas aimer le pantalon. Non, j'aime bien. Sérieux? Il est stylé, ouais. Avec une veste comme ça, ça aurait fait... Mais ouais. Ça aurait fait... je tourne le couteau dans la plaie. Ça aurait fait working girl. Workwear. Workwear, tout ça, quoi. Workwear. Le workwear, c'est quand on s'habille pour aller travailler. Exactement. Tu portes des vêtements pour le work. Bon, je vais déballer. Bah, oui, alors, pour ceux qui voulaient, cet ensemble vient de chez Fashion Union, si je me trompe pas. Et je l'ai trouvé sur Asos. Allez, je vais passer notre tenue en espérant que j'ai pris l'ensemble cette fois. Alors, petite tenue suivante. Pas mal! C'est une petite jupe couleur vert bouteille. J'en cherchais une de ouf depuis longtemps. Donc elle est assez courte, taille haute. Petit chemisier voile comme ça. Cette couleur revient fort à la mode, il me semble. Tu fous de ma gueule parce que j'ai dit sur Snap l'autre jour. Ah non, je savais pas. Ben, on est à fond au niveau déco et même pour les tendances mode, dans les couleurs comme ça, canard, bleu, vert bouteille. Et du coup...
Et du coup, elle vient de chez New Look, toujours sur Asos. En plus, elle est épaisse, elle est pas cheap. Je suis contente. Il y en avait une autre, j'étais moins satisfaite. Moi, en tout cas, j'aime bien cette tenue. Je trouve qu'elle passe crème. J'aime vraiment bien la jupe. Faites attention, vous verrez que le vert bouteille, vert canard, bleu pétrole. Bleu roi. Non, bleu pétrole. J'ai jamais compris pourquoi on donnait des noms aux couleurs. Bleu roi, bleu canard. C'est des nuances. Vert canard. Ça, pour moi, c'est vert. C'est pas vert bouteille. Mais Enzo, si tu dis à quelqu'un, si tu vois pas la couleur et que tu dis à quelqu'un, ah, j'ai acheté une jupe verte. Voilà. Il va s'imaginer. C'est pour ça qu'est apparue la notion de foncé et de clair. Parce que tu peux dire, ça, c'est vert foncé. Pas vert bouteille. Mais t'as tellement de nuances de vert, hein. Vert foncé. Ah, non. Plus ou moins comme ça. Non, plus foncé. Non, parce que ça peut être un vert avec des sous-tons bleus. Donc plus tiré vers le bleu que vers le vert bouteille. Bleu canard, c'est un bleu. Écoute, c'est bon. Alors, ma note. Ça, c'est un problème de garçon et de fille. Non, je pense pas que c'est fille-garçon. Je pense que c'est la sensibilité de la personne. Ouais, peut-être. Je suis plutôt d'accord avec ça. Allez, ma note. La note pour cette tenue, okay, ouais, vert bouteille, est de 8,5 sur 10. Mais t'es difficile, hein. Tu t'aimes pas, ou quoi? J'aime pas, je t'ai donné 8,5 sur 10. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est presque 9. Mais oui, même si c'était juste 8. 8, pourquoi tu dis 8? Parce que je dis 8 parce que sinon on va nous casser les couilles. Ouais, donc je fais l'effort. 8. Voilà. Mais non, c'est juste 8. Bien. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Et vous aimez bien ces couleurs qui reviennent à la montre? Par contre, j'attends le moment où je vais pouvoir te buser, ma fille. Ouais. Ouais. 4,5 sur 5. Non, non, je pense. Non, sur 5, sur 10. Je pense que tu vas aimer ce que j'ai choisi. Ouais. 4,5 sur 10, exprès pour te faire chier, que t'as pas la moyenne. T'auras pas la moyenne cette année. Tu vas prendre des cours de maths, hein. Des cours de maths renforcés. Petit ensemble à 40. Quoi? Je parie que t'as un B1 aussi. Petite jupe, vous la voyez devant vous, avec un petit blazer ajusté. Et ça aussi, les carreaux comme ça, gris. C'est hyper, hyper tendance. Toutes les hit girls portent ce genre de tenue. On dirait que je travaille quand on voit que ça. Est-ce que cet ensemble va ensemble? Non, ce sont deux pièces mix and match. Ok, justement. Makilele. Je l'ai vu direct. Il veut en fait. Je l'ai vu directement. Il veut en fait. Je l'ai vu directement, sinon je t'aurais pas posé la question. Oui. Moi, je trouve pas que ça choque, hein. Ça choque pas. C'est du gris, c'est des carreaux. C'est juste que ici c'est des lignes bleues et là c'est des lignes jaunes et bleues. Donc il y a du bleu. Pour cet ensemble dépareillé, je te donne la note de 3 sur 10. Hey, c'est ça. De 3 sur 10. Pourquoi? Je t'explique. Sur le dessus, sur ta veste, il y a des lignes jaunes. Non, il y a des lignes bleues. Ouais, bah. Sur ta jupe, il y a des lignes bleues et jaune, c'est-à-dire qu'on associe des couleurs chaudes et des couleurs froides. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Je déteste. N'importe quoi. Allez, donne la vraie note. Allez, la vraie note. De la tenue, parce qu'elle est très belle, cette tenue. Ah, on monte, là. Donc, t'aimes bien? J'aime beaucoup. Voilà, merci. Ça te va très très bien. Tu merci. Devrais t'habiller souvent, plus souvent comme ça. Ça veut dire quoi comme ça? En gris, en carreau, en non, jupe? Non, en tailleur. Dernière tenue, petite tenue de maison, confortable, mais stylée. T'avais déjà vu le haut? C'est vrai. On avait filmé, enfin, on avait filmé avec. Ouais, j'étais comme ça. Mais il y a un bas parce que c'est un ensemble. Donc voilà, petit jogging, très confortable, de haute qualité, tendance, pour rester à la maison. Et il vient de chez Mistress Rox. Laisse-moi apprécier la matière. Vas-y. C'est quand même... Du beau tissu. Ouais, tu vois, c'est pas fin, pas la merde. Ouais. J'aime bien les hauts style motard. Tu vois, un motard, peu. Ça comment je peux expliquer? Non, pas motard, mais en sens rock. Dans le sens, mais si, les combinaisons de motard comme ça, mais. Ah, mais c'est plutôt en cuir. Mais je parle pas de la matière, je parle du modèle. Ah. Tu vois, les combinaisons que les filles mettent ouais, quand ouais, elles font de la moto en entier. Oui, c'est en cuir et puis elles ont un zip. Ouais, là, comme ou ça. Alors moins sexy. Des combinaisons de plongée. Coco. Allez, tu donnes une mauvaise image à notre communauté, hein. Moi, j'aime bien, je suis bien dedans. Allez, note, tu dois écrire, pas me dire. Rien qu'au son, je sais que t'as mis un 7. Pour cette tenue, pour cet ensemble à lignes jaunes et blanches, je te donne la note de 6 sur 10. Pourquoi? À la base, j'avais mis 7. Bah on oui. On ne rien vous cacher, à la base, j'avais mis 7. Et après, je me suis dit, bon, c'est quand même un ensemble, c'est un peu too much. Si ça avait été juste le haut ou juste le bas, voilà. Mais là, c'est un ensemble. Ça fait mono... ça fait un bloc. Pas monobloc, ça fait un bloc. T'aimes pas trop les ensembles? Non, mais si, mais pas comme ça, avec une ligne qui te parcourt du cou jusque oui, okay. À la cheville. Ok, je comprends. Je comprends, je suis bonne joueuse. On termine pas sur une très bonne note, hein, mon ami. T'avais estimé quoi que j'allais mettre entre 9 et 10 tout le temps? T'as même pas mis 10 une seule fois. Non, mais j'ai pas mis 4 non plus. On peut pas avoir les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes valeurs. On peut être frère et soeur et en couple, ouais. Et pas avoir les mêmes goûts vestimentaires. Ouais. On peut même être jumeau et jumelle, mais d'une mère différente. Oh non, non, t'as d'enfondu. Enzo s'est cassé les dents. Eh, ça va, hein, c'est tout maintenant. Tu laisseras pas ça au montage. Non, au monstage. Au monstage. Et maintenant, il a une fente dans sa dent. C'est tout. Qui est phosphorescente. C'est tout. Oui.
Quand je dors la bouche ouverte, c'est éclair la nuit. Merci pour ta collaboration. Si vous voulez plus de hauls avec Enzo pour dynamiser les choses et qu'il note et tout, vous nous le dites, on le fera. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux d'Enzo, sur sa chaîne, et sur mes réseaux, sur notre chaîne. Et très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.